Faible ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous, on commence la journée avec un temps couvert à variable, très humide, très doux, il fait déjà 19-20 degrés, température de l'eau elle à 18 degrés, un petit 18 degrés, la marée est en train de monter, le plan haut est à 10h25, les coefficients sont de 79, là le vent il est vraiment faible et variable, il n'y a quasiment pas de vent, donc c'est moins d'un beau fort, on a un plan d'eau qui est lisse et une houle qui est à le moyen à longue 9 à 10 secondes de période orientée ouest à ouest nord-ouest, une houle qui est par contre agitée multipique. En atténuation par rapport à hier, déferlement régulier à la hauteur de 50-80 cm. Sur les séries, la plupart du temps, ça tombe aux alentours du mètre. Et de temps à autre, il y a une petite série qui arrive à monter à un petit mètre 20. Mais la plupart du temps, c'est plutôt un mètre qu'un mètre 20. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, c'est pas terrible. Hein, là où il arrive bien de face, bien multipique, ça ferme à qui mieux partout, même sur les meilleurs bancs de sable comme celui-là. Bon, il y a quelques bouts qui passent, mais il y a quelques bouts qui ferment aussi. Il y a peu de monde à l'eau, les vagues sont très aléatoires, on a du mal à voir des surfeurs attraper des vagues valables. L'évolution pour le reste de la journée, la boue Arcachon, elle est dans les 3 mètres et 7 secondes, ce qui donne normalement plus de taille que ça à la côte, mais sur une houle très très ouest. On va avoir des vagues qui vont être stationnaires à la mi-journée, on attend à 13h 1 mètre, 1 mètre 20 ou ouest à ouest nord-ouest. 9 secondes de période avec un vent nord-nord-ouest qui doit prendre dans les 2 à 3 beaux-forts et à 17h ça peut peut-être grossir vers 1m20, 1m30 à voir ou l'ouest à ouest nord-ouest 9 secondes de période mais avec un vent qui prend nord-nord-ouest 4 à 5 beaux-forts dans tous les cas le meilleur créneau il est quand même ce matin. Le prochain point il sera lui à 11h30. Bon jeudi, merci.